Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo top 3 de la semaine. D'habitude, je la sors au début de semaine, lundi, mardi. C'est vrai que là, j'ai un peu de retard puisqu'on est dimanche, mais on est encore dans la semaine, donc j'ai encore le temps. Pour tout vous dire, je pars au boulot dans quelques minutes. Je suis donc vraiment en speed de chez speed, mais je prends quand même le temps de commenter cette petite vidéo. Et au passage, vous êtes très nombreux à nous avoir envoyé plein de clips et j'espère avoir le temps de les diffuser prochainement car il y en a certains qui valent vraiment le détour. Allez, c'est parti, on commence avec à la troisième place pour cette semaine, un clip de Damon Wick, il est en PVE. Ses alliés sont dans son escouade et regardez ce qu'il vient de se passer, il a quand même réussi à tuer son coéquipier avec le couteau de son chasseur. Donc c'est un petit bug qui existe depuis un moment déjà, qui se crée je crois lorsque vous faites des changements de zone et qu'on a relativement vu ces derniers temps avec l'histoire des coffres qu'il fallait fermer pour les clés légendaires. Donc ce petit bug n'est pas provocable, hein, ça arrive vraiment par hasard et ça n'a pas encore été patché. Donc ceux qui veulent essayer de s'amuser à tuer leur coéquipier, c'est le moment ou jamais d'essayer encore de le faire. Ça se passe en PvE et ça peut parfois faire littéralement péter les plombs à vos coéquipiers. Je vous laisserai vous en rendre compte par vous-même. À la deuxième position cette semaine, on retrouve un clip de Phazon Blazer. Donc c'est pour vous montrer que rien n'est jamais perdu. Il est en Cropta Hard avec son équipe. Le porteur d'épée vient de mourir pendant qu'il était chargé de faire diversion auprès des chevaliers. Et là, gros réflexe de guerrier, il s'empare de l'épée, des petits coups de R1, il met Cropta à terre et valeureusement, courageusement, avec ses petits coups de R2, il arrive à mettre Cropta hors d'état de nuire. C'est vraiment juste trop trop beau, très belle action de sa part, il a sauvé la game. Bon, ils ont perdu à la fin à cause de la fureur, mais ils ont quand même eu les loots, donc bien joué à toi. Et dernier clip, on retrouve l'ami Rambo la frite, il est en PVP et regardez cette magnifique action de Devil Map. Hop, le petit couteau across the map qui passe bien, je vais vous repasser l'action. Comme vous pouvez le voir, il a juste démarré dans la zone et vous avez le petit couteau qui fonce directement sur l'ennemi. Je trouve qu'il a vraiment géré, ça méritait de passer dans le top 3. Regardez, le petit couteau, hop, il le place juste en face et bim, dans le fond de l'ennemi. C'est propre, c'est parfait, sans bavure en tout cas. Félicitations à vous trois, félicitations à tous les autres, à tous ceux qui participent. Je vous le rappelle au passage, j'ai retenu plein d'autres clips, mais je n'en passe que 3 par semaine. Donc soyez patients. Pour tous ceux qui souhaitent participer, en attendant, je vous rappelle les règles du jeu. Donc dans l'idée, faites un clip court, 2 minutes maxi, sinon ça devient irregardable, c'est très très long pour nous de faire le tri. Essayez de nous faire des règles propres, les téléphones sont acceptés à condition que l'image soit stable, claire et centrée sur le gameplay. N'hésitez pas à mettre un titre à votre clip et à votre mail afin de nous orienter plus rapidement. Et n'oubliez pas bien évidemment de préciser votre pseudo et le lien de votre chaîne YouTube si vous en avez une. Envoyez-nous le tout par email directement, donc soit le lien de la vidéo déjà uploadée, soit la vidéo en fichier joint à l'adresse email suivante zombiefactory@gmail.com qui s'affiche actuellement à votre écran. J'espère que ce petit top 3 de la semaine vous a plu. Si vous pensez faire mieux que ça, alors allez-y, n'hésitez pas, envoyez-moi vos clips les plus fous, je me ferai un plaisir de les regarder et de les diffuser. J'espère que ça vous a fait plaisir, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde !